Aujourd'hui, je suis avec Emeline. On se dirige vers le bâtiment des ours polaires pour leur faire un petit enrichissement. En ce moment, on commence à avoir les fortes chaleurs un petit peu. Et du coup, on en profite pour leur donner en fait des gros glaçons. Comment ça va, Loulou? Pour les rafraîchir. Ça va, les choux? On vous met des glaçons cet après-midi? On décide d'isoler les deux ours, chacun de leur côté, dans une loge sur le béton. Et comme ça, avec Emeline, on peut mettre les quatre glaçons dans leur loge copeau. Je vais t'enterrer celui-là. Un à chaque endroit ou juste un seul? Moi, je vais chercher ma fourche. Et puis, j'oubliais un petit peu Emeline, qui avait besoin d'une fourche aussi. Bah, du coup, Emeline se retrouve à devoir creuser avec les mains et puis moi avec ma fourche. T'aurais été galant, tu m'aurais apporté une fourche. Oui, c'est vrai, mais alors, c'est pas de la galanterie, c'est de l'oubli. Et vu que tu m'as dit que tu voulais le faire avec ton pied... Bah, c'était ma première idée. On commence à enterrer nos glaçons. Et on voit en fait les deux ours qui sont toujours en mode raplapla, couchés sur le béton. Mais on voit qu'ils nous observent. Du coup, ils voient très bien ce qu'on est en train de faire et on se dit qu'ils devraient normalement être réceptifs et creuser pour déterrer les glaçons. C'est good? On leur ouvre tous les deux en même temps? Ouais. En espérant que ce soit pas un flop. On décide de leur ouvrir en fait en même temps avec les mini chacun d'un côté. Comme ça, il n'y a pas de jaloux et pas de frustration d'un côté ou de l'autre. Bon, déjà, les deux se lèvent. C'est déjà positif. Mais bon, il se passe pas grand-chose. Tu cherches ma poupette? Nickel, attends, elle sent. Il y a un truc là. Ah, ça y est, gratte. On sent Quintana un petit peu curieuse. Donc elle commence à creuser et Quintana déterre un glaçon qu'elle lèche un petit peu. Enfin, on sent quand même qu'elle est un petit peu attirée par le glaçon. Oui. Lui, il est plus déterre sur Quintana que... Et Aaron, de son côté, il ne jette même pas un coup d'œil à l'écorce. C'est vraiment rien à faire, quoi. Aaron préfère regarder Quintana manger son glaçon. Je crois qu'il est beaucoup trop amoureux d'elle et que son amour va plus fort que le glaçon. Lui, il est à fond sur elle aussi. Finalement, Quintana est l'enrichissement d'Aaron. Donc, c'est plutôt mission réussie finalement. C'est pas comme on voulait, mais il y a un truc. Aaron, regarde, juste là. Quintana, on sent déjà une petite lassitude, je dirais. Est-ce que on les switcherait pas? Comme ça, Aaron a le glaçon déjà déterré et peut-être que Quintana sera intéressée par ce qui a été enterré ici. C'est vrai que ça arrive souvent que l'un ou l'autre dépose en fait des odeurs justement qui va potentiellement intéresser l'autre. Et du coup, je me dis que peut-être en les changeant de loge, Aaron sera peut-être attiré par les glaçons, surtout que Quintana en a déterré un. Tu veux pas Quintana. Goûter le glaçon, chaton? Aaron, il va sentir un petit peu, on sent que voilà. Mais je crois que c'est surtout l'odeur de Quintana qui l'attire plus que les glaçons. Quintana, de son côté, va dans la loge écorce de Aaron. Nouveau flop. Elle ne cherche même pas à creuser, donc c'est pas grave. On les laisse comme ça? Oui. On découvriront après. C'est un échec, hein. Il faut savoir s'avouer vaincu. Mais on sait ça marche pas toujours, les enrichissements. On en fait tous les jours, plusieurs fois par jour, toujours différents les uns des autres, donc forcément, ça peut pas toujours marcher. On a vu mieux, hein. On a vu mieux, tant pis. Mais bon. C'est pas grave. On se dit que ça a pas marché sur le moment. On va partir du bâtiment, et si ça se trouve, ils vont tout de suite se jeter dessus. Aujourd'hui, on a notre petit enrichissement à nous. C'est Marion qui va faire voler avec nous. Depuis quelques temps, on m'a demandé d'être un renfort en cas de sous-effectif pour les spectacles oiseaux. Aujourd'hui, ça va être mon premier spectacle toute seule comme une grande. Et je suis chapeautée par Mélanie et Dylan. T'es OK, ma marionnette? Je crois. Donc, casse-casse, c'est pas toi. Coup cassé, toi. Après, une fois que tu auras
gérer tes koukas, tu pars vers la tourelle vautour. D'accord. Et quand on salue Ziva, ouvre tes deux trappes de la tourelle pour ouvrir au rat. Au dernier vautour qui rentre, bah, faut que tu partes ouvrir au Milan. Je suis un peu perdue quand même. C'est pas évident, faut que je me souvienne de tout, l'ordre, tout ça, tout ça, tout ça. Quand tu reviens, tu laisses bien ta porte ouverte ici. Ouais. Tu vas au fond à Limijiji et logiquement, normalement, ils partent tout seuls. Autant d'habitude, Marion adore rigoler, déconner. Mais là, il y a 5 minutes du spectacle, j'ai une autre Marion devant moi où c'est Marion sérieuse, concentrée, étape, tac, 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 tac. Elle a tellement peur de faire mal avec les oiseaux que du coup, elle se met une pression énorme alors qu'elle n'a pas besoin de stresser, tout va bien se passer. Bienvenue dans le monde des oiseaux. Vous allez assister dans quelques instants à leur construction. C'est Marion qui ouvre le bal, du coup, avec les koukaburras. Donc, elle leur ouvre la trappe, les koukas viennent sûrement au niveau de la pelouse. L'enchaînement se passe très bien, Marion marque bien les temps, les zones de rappel. Le trahi de très proches cousins de marins pêcheurs que nous avons sur notre territoire. Alors, d'où leur nom de chasseurs, eux, ils vont se nourrir de quoi? C'est fluide, et puis avec la chaleur, on va pas faire trop de rappel en fait. On va faire ça entre guillemets rapidement. Ouais, ouais, ça fonctionne. Ouais, je suis contente. Premier tableau réussi. Les renombras sont des oiseaux originaires d'Amérique du Sud, des oiseaux qui battent très peu des ailes. Pour se déplacer, ils se laissent tout simplement glisser sur l'air. On dit qu'ils utilisent un vol à voile. Moi, j'adore les vautourras parce que... Bah... Ils sont trop mignons, ils viennent bien sur ton camp, voilà, ils prennent la récompense tranquillement. Ils sont tout calmes en fait, ils viennent, ils repartent et c'est chouette. La caractéristique physique des vautours, c'est qu'ils ne possèdent aucune force au niveau de leurs pattes, mais à l'inverse, ils ont un bec extrêmement puissant. Et voilà les gros vautours. Bon, la dernière fois c'était le bazar. Ah, tant pis, on pense pas au bazar. On va faire et on verra bien. Bon, t'exagères là. T'exagères. Allez, viens. Ah. Allez, go. Avec Benoît, je ne sais pas si c'est moi qui me suis craquée. Ou si c'est elle qui a fait exprès de se mettre un peu par terre parce qu'elle, elle a la chic pour venir dans la fauconnière. Mais je ne me laisse pas faire. Elle est à mes pieds, elle est là comme ça, elle essaye de venir mettre la tête. Donc je la repousse gentiment du pied. Non, 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 laisse-moi tranquille, je lui parle, hop, 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 je travaille avec les autres vautours. Hop, va-t'en, va-t'en. Allez, vous l'avez compris, c'est l'heure de la rentrée pour nos vautours. J'ai un doute, je sais qu'il y avait les Milans dans le programme. Alors je sais, mais alors est-ce que c'est bien maintenant? C'est bien les Milans, hein, que je me trompe pas. Ouais. Marion a bugué en fait dans la descente, elle savait plus s'il y avait les Milans ou pas. J'ouvre au perroquet et là je dois descendre aux hérons garde-bleus qui sont juste à côté. Toc toc toc, coup de clé, j'ouvre, c'est parti. J'adore les hérons garde-bleus. Pareil, hein, c'est aussi le bazar. Il y en a de partout qui arrivent. J'adore, c'est génial. Eux aussi adorent parce que je ne sais pas manipuler les petites récompenses. Donc, ils en prennent 3 à chaque fois. Il y en a qui tombent. Enfin bref, c'est pas grave. Ils adorent, j'adore. On s'éclate. Fin du spectacle. Moi, là, ma tâche, c'est d'aller rentrer les hérons garde-bleus. Donc, j'ai toutes mes petites poules qui arrivent. J'adore, c'est trop marrant. Je sais pas si c'était bien ou pas, mais je suis contente. j'ai adoré. Et je pense qu'à chaque fois que j'irai en renfort à la fauconnerie, à chaque fois, je vais être contente. Et puis voilà, on fait voler des oiseaux. Truc naturel pour un oiseau. Donc que demander de plus, en fait. Nickel. Bah, j'ai peut-être fait un truc de trop, non? Ça va, il soufflait pas trop encore, mais fallait pas plus. Non, c'est ça, fallait pas plus. C'est assez rigolo, parce que quand je rejoins Marion, ça fait très enfant qui rencontre parents-prof. Donc oui, je la rassure, ça s'est très bien passé. Je l'ai sentie de plus en plus à l'aise, donc elle va pouvoir revenir nous remplacer. On va pouvoir partir en vacances. Mais oui, non, si tu trouves que ça va, bah, oui. Ça va. Donc ça veut dire que ça va aller de mieux en mieux, normalement. Bah oui. Ça me fait plaisir. Il ne reste plus qu'à faire pareil, si ce n'est mieux, au prochain spectacle. J'ai plus du tout la boule au ventre, donc c'est que ça passe. Ah bah oui!
petit Thomas, t'es déjà venu à la Pampa ou quoi? Bah pas souvent. Et franchement, je suis trop content de t'accompagner. Ça va être pas mal. Je croise Bébert dans les allées. Il allait faire une douche à la Pampa. Il me propose d'aller avec lui. C'est vrai que nous, au complexe, on passe souvent à côté de la Pampa, mais on n'y va pas souvent. Donc pour le coup, je me suis dit, chouette, pourquoi pas, allons-y. Puis là, je vais allumer les arroseurs automatiques, ce qui fait hyper chaud, et du coup, je vais les bombarder d'eau. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très chaud. Et au moins, il y a plusieurs points d'eau qui sortent un peu de partout. Et comme ça, tout le monde peut en profiter s'ils le veulent. Ils sont pas obligés de venir à côté de nous, etc. Ça permet aussi de humidifier un peu toute la Pampa et que ça ne sèche pas trop et qu'ils puissent plus tard dans la journée se mettre dans des petits endroits où c'est plus humide, plus frais. C'est l'endroit le plus merveilleux du parc. Ah. It's a place to be. La Pampa, on va être bien. Et puis, attention, bonhomme. Attention à la clôture. Salut les gars. Ah, c'est trop chouette. Ouais, c'est chouette d'aller voir un petit peu ce que font les collègues avec les animaux et puis de pouvoir participer. Puis ça fait un chouette moment avec les animaux puis avec les collègues aussi. Hein. Donc c'est cool. Au moins, mon titi ! Tu reconnais lui ? Je sais pas, c'est Yanor. Ouais, c'est Yanor. Yanor. Ah, et là-bas, Shadow, je l'avais pas vu. Allô ? Salut. Ah ouais. Tiens, viens, mets-leur leur truc là. Les bambous, c'est pour les capis. Et là, tous les capis se ramènent. On a les tapirs aussi qui viennent un peu nulle part, qui viennent un peu bouler les capis, qui viennent bouler Thomas. Ah, c'est trop chouette. Voilà. Regarde, ils se mettent sous l'eau. Ah ouais. Ah, ils adorent ça. Bah ouais. En même temps, ils ont tellement chaud. Voilà, elle gestante, mais depuis un petit moment. Et je pense qu'elle va mettre bas très très bientôt, si ce n'est genre demain ou après-demain. On va voir comment elle va, si elle souffre pas trop de la chaleur. Et comment elle se comporte aussi, quand on lui donne de l'eau, si elle aime ça ou pas. Ah, elle prend vraiment la flotte. Wow. Elle est posée là. Excellent. Moi aussi, t'es tout mouillé. Ah. Oh, c'est trop drôle les poils. J'ai jamais touché. Ah, c'est un peu comme des paillassons. Ah, c'est la peau et tout. Thomas, il est curieux, il les touche. Ils sont tout mignons, mais la texture, c'est pas hyper agréable. On va pas se mentir. Ça fait vraiment très, très paillasson à poil long, vraiment. Il y a des points de préférence au niveau caresse? Ouais, sous le cou, le ventre et tout. Petite, oh, là, on aime bien. Petite échographie, là. Enfin, les tétons, tu vois, les tétons qu'elle a. Là, elle est vraiment, comme je dis, elle est vraiment au bout de sa gestation, donc qui est de 5 mois. Combien elle peut en avoir, tu penses? Entre 4 et 6. On a par rapport à la grosseur. Ouais. Salut, ma mère. La dernière portée, il y en a eu 5. Celle d'avant, pareil, 4 ou 5. J'y crois. Demain, 5 petits, c'est sûr. Là, c'est profitage à fond pour eux, pour nous, pour tout le monde. Quoi. On a beaucoup de moments où c'est hard, où on court tout le temps. Il faut bien pouvoir prendre le temps de ces moments-là, sinon ça sert à rien de faire ce métier. Tout le monde vient se coller à nous, il n'y a pas de bruit. Et c'est l'endroit le plus apaisant du parc, je pense, honnêtement. On y va, mon petit Thomas ? Ouais. On va le laisser tranquille. Ah, en tout cas, c'était trop cool. C'est chouette, hein ? Pour moi, ça humidifie bien toute la Pampa, c'est cool. Oh, regarde. Quoi ? À un moment donné, faut quand même retourner au travail. Mais ouais, je me dis, à refaire. Ça t'a plu, mon petit Thomas ? Ah ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup, Hébert. Avec plaisir. Super.